Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go! Wesh les potos, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est Swakulu Mike et dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 variantes que vous allez pouvoir débloquer quand vous aurez atteint les super niveaux sur Fortnite saison 6. Alors ici, vous pouvez voir qu'il y a le skin de Tarana, de Raz et de l'assassin de la flèche. Voilà les 3 skins que vous allez pouvoir débloquer dans 3 versions différentes. Alors, une petite information très importante, c'est ceux qui n'ont pas le pass de combat ne peuvent pas débloquer ces 3 skins. Cependant, si par exemple vous achetez le pass de combat avant la fin de la saison 6, avant la fin de la saison 6, et que vous êtes par exemple au niveau 200, et que vous achetez votre passe de combat à la fin et que vous êtes niveau 200, ben vous débloquerez directement les 3 skins, enfin les skins en fonction du niveau approprié que vous aurez atteint. Donc voilà, c'est une petite information qu'ils disent dans le texte juste ici. Et sinon, ben, les récompenses des super niveaux de la saison 6, ben, c'est tout simplement en chrome. Donc les 3 personnages en chrome, ça commence à partir du niveau 110. Alors il faut savoir que la saison n'est pas très longue. Je pense qu'elle finit début du mois prochain ou fin du mois prochain, donc vous avez pas c'est pas une très grande saison hein, donc faites attention. Attendez, je vais vous dire quand elle finit exactement. Elle finit le 8 juin. Le 8 juin, donc ça va en fait. C'est 2 mois ça. Ouais, ça va, c'est dans 2 mois. Ok, vous avez 2 mois pour atteindre le niveau 110. Enfin, le niveau maximum, c'est le niveau 125. Donc regardez, alors il y a le niveau 110 de Tarana, donc comme ça, en chrome. Ensuite, il y a le niveau 130 de Raz, comme ça en chrome. Il est vraiment pas mal en chrome. Il y a l'assassin de la flèche, niveau 150, donc juste ici. Voilà, voilà. Donc moi, Raz et Tarana, ils sont pas mal. Ah ouais, là, ils sont encore mieux comme ça. En style runique, ils sont plus stylés. Donc c'est un mélange de chrome et de runique. Donc niveau 160, vous avez Tarana ici. Niveau 180, nous avons Raz en runique et l'assassin de flèche runique niveau 200. Et alors en or, bah tu vois en or, bah je les kiffe pas plus qu'en chrome. En plus l'or c'est démodé, non? C'est mieux l'argent maintenant. Lol. Donc pour l'or, c'est Tarana niveau 205, Raz niveau 215, excusez-moi, et assassin de la flèche en or niveau 225. Bon, après, c'est vrai qu'il y a un petit style Raz en or. Et après, même Tarana, ils sont vraiment bien. Après, l'assassin de la flèche, c'est pas mon skin préféré. Enfin, bref, voilà, je vous ai présenté les 3 skins et les niveaux que vous allez devoir atteindre pour les débloquer. Je vous souhaite à tous bonne chance si vous voulez tryhard les 225 niveaux. Vous avez jusqu'au 8 juin pour le faire. Donc, bonne chance à tous. Et j'espère que cette vidéo d'information vous aura plu. Si c'est le cas, ben, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, ben, moi je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Swakulu Mike et ciao. Peace.